Bienvenue au Temple de l'Amour. J'adore cet endroit. Quel rapport avec l'immobilier? Aucun. Quoique, en matière d'appartement, de maison, c'est souvent affaire de sensibilité et d'émotion. D'amour, pourquoi pas? En tout cas, moi j'aime, et je ne suis pas le seul, ce jardin du Parc Chambrun, à Nice Nord. C'est un écrin de verdure, un endroit presque hors du temps. Le Temple de l'Amour, appelé aussi Temple de Diane, trône ici même depuis 1890. Un kiosque à musique construit pour une comtesse, l'épouse de Jean-Dominique Pineton de Chambrun, sociologue, député et sénateur de la Lozère qui avait racheté ce domaine avec un château, aujourd'hui disparu. Le temple fait 20 mètres de haut, il est soutenu par 12 colonnes de marbre d'ordre corinthien. Ici, c'est le rendez-vous de toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes. On s'y promène, on prend le soleil, et tout autour, on admire ce quartier résidentiel composé de petites maisons et de quelques immeubles qui font de Chambrun un secteur particulièrement recherché, où les prix sont très souvent au-dessus de la moyenne. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et je suis conseiller, précisément, en immobilier. Je vous aide à vendre ou acheter votre bien sur Nice, en France ou même dans le monde. On en parlera. Régulièrement, je viendrai ici pour vous partager mes endroits favoris de Nice, ma ville natale. Et on se dit à très bientôt.